Kikou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors aujourd'hui ce sera un petit déballage particulier. C'est un cadeau d'une amie, donc elle vient de m'envoyer toute une panoplie de pierres, des cristaux. Donc il y a du quartz, il y a du cristal de roche et puis il y a une petite pierre. Alors où est-ce que je l'ai mise? Voilà, c'est celle-ci. Alors, il y a une petite pierre, voilà. Elle met un point d'interrogation parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Alors, il me semble, je dis bien il me semble parce que je n'ai aucune certitude, étant donné que je ne suis pas vraiment dans la litho, mais malgré tous mes bouquins, l'encyclopédie, les dictionnaires qu'on a à la maison, je pense que c'est de la pierre de lune. Voilà, cette pierre blanche, en plus, c'est la pierre de ma naissance, la pierre de lune. Alors, mais c'est vraiment ce que j'ai l'impression parce que c'est, il n'y a aucune transparence, c'est blanc laiteux. Je ne sais pas si vous voyez réellement tous ces petits cristaux qu'il y a. Bon, les pierres sont brutes, hein, elles sont en l'état, elles sont à nettoyer. Donc, et elle les nettoie. Alors, attendez que je lise le petit mot qu'elle m'a dit. Alors, les nettoyer à l'acide chlorhydrique et à la soude. Donc, je n'ai pas d'acide chlorhydrique. Mon mari est parti aux courses. Je vais lui envoyer un SMS pour lui dire d'en prendre. Et puis, de la soude, j'en ai. Donc, voilà. Alors, et donc après un bon nettoyage, on devrait pouvoir trouver tout ça, retrouver la vraie pierre. Alors là, c'est cristaux, quartz, cristal de roche. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors elle, vous le verrez sur d'autres pierres parce que là, ça y est, elles sont complètement détachées de la pierre. Il ne reste plus que le cristal. Donc c'est des super pierres de cristaux. Donc bon, j'ai déballé avant parce que je ne savais pas du tout, je m'attendais pas à ce colis, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc j'ai déballé. Et au fur et à mesure que je déballais, j'ai dit, mais il faut que je fasse une vidéo. Merci Stéphie, merci, gros, gros, gros bisous. Trop contente, superbe. Alors vous voyez, alors elle ramasse elle-même sur les plages des pierres, mais elle les connaît, hein, les pierres. Elle sait ce qu'elle ramasse. Elle va pas ramasser un simple caillou, hein. Et puis une fois cassé, voilà, on y découvre le cristal. Et bon, une fois nettoyé, vous allez voir que c'est magnifique. Je vous montrerai après parce que justement, elle m'a fait un cadeau qu'elle a fait elle-même, qu'elle a nettoyé, qu'elle a taillé et résiné. Voilà. Alors là, elle me met que c'est du quartz fumé. Il est magnifique. C'est comme, voilà, c'est un morceau de géode. Il est superbe. J'espère que vous le voyez aussi bien que moi. Ici, elle me met, ah ben alors là, c'est aussi du quartz. C'est du quartz blanc. Hein. Voilà. Donc, toujours attaché à sa pierre. Donc, il faut le tailler pour pouvoir l'enlever de sa pierre. Et dans celui-ci, c'est aussi, voilà, là, le cristal de roche. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors, les pierres brutes comme ça, la nature nous offre des merveilles et on ne s'en rend pas compte. On a tout sous les yeux et on ne s'en rend pas compte. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique, tous ces petits cristaux qui sont accrochés, à la pierre. C'est très 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 joli. Et donc je vais vous découvrir le cadeau. Elle l'a taillé, donc je le répète, elle a nettoyé ses pierres, elle l'a taillé, elle lui a fait une forme et ensuite elle l'a résiné. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Du quartz. Taillé et résiné. Regardez-moi ça, ce signe. Elle a fait un signe. Il est magnifique. Encore une fois, Stéphie, un énorme, énorme merci. De gros bisous à toi. Et ben voilà, je suis très, très touchée. Merci pour ton attention. À tous, belle journée et à bientôt. Bye. Thank you.